Sous la vidéo, vous pourrez retrouver trois liens très utiles. Le premier lien va concerner mon groupe Telegram, c'est-à-dire qu'en cliquant dessus, vous atterrissez directement sur mon groupe Telegram officiel. D'ailleurs, à ce sujet, attention, il y a des personnes mal intentionnées qui s'amusent à prendre mon nom et prendre mon logo pour vous contacter et vous demander des investissements à gros rendement, et évidemment que cet argent, vous le reverrez jamais. Donc faites attention et retenez bien que je ne contacte personne, et encore moins pour demander de l'investissement ou de l'argent, et qu'ensuite j'ai qu'un compte Telegram, et c'est celui que je vous partage via ce lien. Deuxième lien utile pour vous, ça va être pour ouvrir un compte réel chez le broker que j'utilise depuis des années. Donc si je vous le recommande, évidemment qu'il est de qualité. Ça servira donc aux débutants qui ont peur de se tromper, qui ont peur de se faire arnaquer. Là au moins, vous n'avez pas de questions à vous poser. Et c'est vraiment des tracas en moins, parce que quand on commence, c'est vrai qu'il y a tellement d'offres de brokers de toutes sortes. Et dans cette masse, il y a beaucoup d'arnaques que c'est très difficile de s'y retrouver. Troisième et dernier lien, c'est ma formation complète pour apprendre le trading, pour progresser en analyse technique. Globalement, j'y partage ma méthode au complet. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, vous cliquez sur le lien et sur mon site web, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'analyse technique sur notre ami le Bitcoin. Il y a pas mal de choses à dire, vu tout ce qui s'est passé ces derniers mois sur cet actif. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vais être de nouveau très actif sur ma chaîne YouTube à partir de début août. Là, je vais commencer à reprendre tout doucement. J'ai de plus en plus de temps à consacrer à YouTube. Activez les notifications pour être notifié des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? C'est vrai que là, l'heure est un peu à la panique avec cette avalanche de bougies rouges en mensuel qu'on s'est prise dans les dents tout simplement ces derniers mois. C'est vrai que c'est pas joli à voir. Il y a eu beaucoup de comptes qui ont sauté, que ce soit des gros gestionnaires, que ce soit des petits ou moyens investisseurs comme vous et moi. Ça a été vraiment une période très compliquée pour les cryptos et je vous apprends rien là-dessus. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est de répondre à quelques questions du type, eh bien, maintenant que ça s'est cassé autant la gueule, où est-ce que le Bitcoin peut aller potentiellement? Est-ce qu'il est intéressant d'acheter ou de penser en tout cas à acheter maintenant ou dans les prochains jours? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Quels signaux? Quelles zones, etc. Donc, on va vraiment essayer de tout recouvrir. J'ai pas du tout préparé la vidéo. Je vais y aller au feeling. Donc, j'espère que je serai assez concis mes explications. Et comme d'habitude, si vous avez des questions relatives à la vidéo ou des sujets de vidéo à proposer, bien n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire qui est dédié pour ça. Alors on va voir ensemble une analyse technique assez globale du Bitcoin et on commence pour ça sur le mensuel. J'aime bien me mettre en mensuel pour avoir du recul sur l'actif que je suis en train de regarder et sur lequel je vais rechercher des opportunités futures, ok? Vraiment pour chaque analyse technique, pour chaque actif financier, je commence par me mettre en mensuel pour voir ce qui s'y passe. Et là sur le Bitcoin, malgré toute cette chute, on peut constater quand même qu'on est toujours en tendance haussière de fond. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Donc même si la descente a fait très très mal, même si c'est une correction vraiment quasiment totale et donc très violente, eh bien on reste aussi en tendance de fond. Et donc première règle, pas de contre-tendance. Donc même si je fais de l'intraday, même si je fais du scalping au quotidien, je vais tout simplement ne jamais vendre cet actif pour éviter d'être en contre-tendance long terme. Et l'idée, c'est de comprendre que dans une tendance très haussière de fond, eh bien tôt ou tard, le flux va se redéclencher, va redémarrer à l'achat. Donc si vous êtes toujours dans vos optiques de vente parce qu'il y a une énorme correction, ça va être plus compliqué, ok? Donc je préfère suivre la tendance et puis les statistiques sont de mon côté. C'est vraiment pour moi le béaba du trading, c'est suivre la tendance, ok? Donc si vous apprenez déjà à suivre la tendance, c'est déjà génial. Maintenant, évidemment que même dans une tendance haussière de fond comme ça, il y a plein d'opportunités à la baisse ici, ici et encore ici, ok? Donc il y a toujours des opportunités dans les deux sens. Maintenant, c'est à vous de trouver votre style de trading et de vous imposer des règles. Et moi, c'est vraiment une règle d'or. Je m'interdis de faire du contre-tendance. Quand je vois ça, mon premier réflexe, ça va être de chercher tout simplement des zones support, ok? Donc ça, on va le voir par la suite. On va juste faire un petit tour sur le weekly pour voir ce qui s'y passe. Donc il y a un peu plus de bougies, un peu plus de détails forcément. On peut voir qu'on s'approche d'une zone dont on va parler prochainement. On peut voir qu'il y avait une belle divergence ici. Et évidemment que pour ceux qui aiment les divergences, il y avait moyen de se positionner, même si je vous ai dit que je faisais pas de contre-tendance. Pour ceux qui le font, eh bien, il y avait moyen de prendre des mouvements ici suite à cette superbe divergence baissière, eh bien, en grosse unité de temps en plus, donc qui a beaucoup de valeur. Donc voilà, pas grand chose à ajouter niveau weekly, toujours haussier, on a cette grosse correction, et évidemment qu'en daily, on est beaucoup plus rouge parce que ça fait des mois tout simplement qu'on descend. On va pas descendre plus bas pour détecter la tendance long terme parce que c'est pas forcément utile. Moi, mes unités de temps, je vous résume ça très simplement, le mensuel, le weekly, le daily, c'est pour détecter ma tendance, regarder le flux, l'intérêt et la volatilité.
ainsi que pour tracer mes zones d'intervention. Donc ça va être les zones plus communément appelées support et résistance. Et ensuite, les petites unités temps, donc à partir du H4 jusqu'au M15, voire M5, ça dépend du style de trading, eh bien, je vais les utiliser pour avoir beaucoup, beaucoup plus de détails et surtout pour avoir des signaux d'entrée en position. Je vais également utiliser le daily qui est très solide pour les signaux et pour les patterns, par exemple, de retournement qu'on attend, qu'on cherche, par exemple, sur un Bitcoin ici qui est haussier en tendance long terme et qui est très baissier en tendance moyen terme. Maintenant, on va passer aux zones et on va se remettre en mensuel pour vous compreniez l'importance de cette zone majeure. Et donc, cette zone, si on la réintégrait dans les semaines ou mois à venir, ça serait très mauvais pour la tendance long terme haussière. Ça la remettrait clairement en question parce qu'on réintégrerait ce range, ok? Et ça serait pas bon. Alors, on resterait certainement bloqué pendant plusieurs mois, voire quelques années dans ce range avant de repartir certainement à la hausse. En tout cas, on n'y est pas et on ne l'a même pas encore vraiment touché. Ce qu'on a fait, c'est toucher l'ATH de 2017-2018 ici. C'est pour ça qu'on a eu cette réaction. On a certainement eu les vendeurs qui ont commencé à larguer des positions de vente en se disant qu'ils avaient fait déjà pas mal de chemin et évidemment beaucoup de réactions d'acheteurs parce que c'est des très bons niveaux de prix. C'est surtout des très bons niveaux techniques. Donc dans l'idée, ça serait quand même assez cool au niveau du price action d'aller au moins piquer cette zone avant de repartir. En tout cas, on verra ce que le prix nous laisse à penser pour le futur du Bitcoin. Donc ça, vous voyez que c'est une zone assez importante, assez majeure pour le Bitcoin. C'est une zone qui est aussi assez large puisqu'elle fait environ 14 000-5 000 $. Donc voilà, c'est une zone évidemment très large en mensuel. Maintenant, l'idée, c'est surtout d'avoir le support à ce niveau-là, ok? L'idée, c'est d'avoir le support ici comme ça, à peu près. Donc là, on a les 14 000, les 13 000. C'est un peu vraiment la zone hyper basse que le Bitcoin pourrait aller viser prochainement avant de vraiment rebondir. Parce que là, en fait, à 17,5, 18,19, on est juste allé piquer les mèches ici. C'est peut-être pas assez suffisant. Peut-être qu'il faudrait aller travailler plus profondément, si vous voulez, l'ancienne résistance devenue support désormais, pour valider le fait qu'on soit vraiment passé à autre chose et que plus jamais on ira revoir ces prix-là, ok? On a besoin d'un travail, le marché a besoin d'un travail, ça a été tellement violent et impulsif, on n'a même pas eu de retest quasiment ou alors un léger sur la mèche ici, que le marché n'a pas eu le temps, je pense, de tout simplement digérer tous ces prix, etc. Et c'est peut-être sans doute aussi un des facteurs ajouté à beaucoup d'autres facteurs qui fait que le marché a besoin de travailler pendant quelques semaines, quelques mois, cette zone de prix de façon à ce que tout le monde se mette d'accord pour dire que enfin on va s'en extirper et qu'on ira probablement plus jamais revoir cette zone. Donc elle est puissante au niveau technique parce qu'on a évidemment le travail sur deux mois consécutifs ici avec des mèches, donc une énorme résistance à ce moment-là. On allait la retravailler une seconde fois ici pendant un mois, deux mois, trois mois, on a travaillé avec la résistance, vous le voyez, on allait la piquer, on a été rejeté systématiquement et vous pouvez voir qu'ici enfin on l'a cassé et c'est devenu une zone support, retest, impulsivité. Et puis là, on est en train de la travailler, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je veux vraiment que vous surveillez cette zone. Si déjà on vient faire un plus bas sur cette bougie mensuelle actuelle, en dessous de 17,5, ça voudrait dire certainement qu'on irait jusqu'au 14, 15 000, voire 13 000 pour travailler, comme je vous le dis, plus en profondeur cette zone. Peut-être que ça sera juste une mèche et un rebond très impulsif à la hausse et on n'en parle plus. Peut-être que ça sera tout simplement un travail de longue haleine sur cette zone avec plusieurs bougies mensuelles ici jusqu'à tant que le marché valide bien le fait qu'on soit passé sur un support désormais. Alors c'est intéressant de se mettre en daily parce que on voit à quel point la zone est en train d'être travaillée ici et c'est pour ça que le marché tient d'ailleurs, ok? Maintenant j'aimerais qu'on reprenne le flux baissier depuis son commencement et qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé ensemble. Donc on peut voir qu'on a eu un premier mouvement ici quasiment d'un trait. Évidemment qu'on a eu des petites vagues, on a eu des petits allers-retours, on a eu des petites réactions haussières à chaque fois, mais globalement on est descendu assez franchement et vous pouvez voir que ensuite à chaque fois on a eu des pauses dans le marché avec des figures chartistes. Les figures chartistes, c'est quand même la base et vous voyez quand même que dans beaucoup de situations techniques, ça vous permet de vous orienter. Alors pourquoi c'est utile de connaître les figures chartistes? Eh bien, c'est surtout utile, pas pour dire juste « Ok, là, il y a un fanion, là, il y a un drapeau, là, il y a ce que vous voulez. » C'est utile parce que vous allez pouvoir faire la différence entre une correction et un retournement. Et vous savez que dans un type de tendance, eh bien, on va avoir des pauses dans le marché, des phases de stabilisation, des phases de compression, des phases de distribution, et que ces phases vont être symbolisées par des figures. Et donc, c'est important de connaître les figures, évidemment, parce qu'on va les reconnaître visuellement. C'est évidemment important de les comprendre pour savoir si, en effet, là, par exemple, on était dans un retournement ou simplement dans une pause avant la continuation. Et c'est des statistiques, par exemple, dans une tendance baissière, eh bien, on sait que à la mise en place d'un fanion, d'un drapeau de ce type, eh bien, 70% des chances sont pour une sortie par le bas. Donc voilà, c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe parce que vous suivez les statistiques, parce que vous savez que c'est potentiellement une correction,
et pas un retournement parce que vous avez les probabilités de votre côté. Donc si vous suivez déjà la tendance, les probabilités, vous réussirez déjà beaucoup plus de trades au quotidien. Vous pouvez voir que ça a été les mêmes scénarios répétés à chaque fois. On a eu des mouvements, des pauses, des mouvements et des pauses, ok? Donc est-ce que là, on est de nouveau actuellement sur une pause avant un autre mouvement baissier, vraiment d'épuisement, de fin, de grosses corrections si vous voulez, comme je vous l'expliquais, avec en ligne de mire au plus bas les 13 000, 14 000, 15 000, on sait pas, on verra. En tout cas, ce qu'on constate graphiquement, c'est qu'on a le mouvement baissier, la stabilisation, le deuxième mouvement baissier, la stabilisation, le troisième mouvement baissier, la stabilisation, un quatrième mouvement baissier, une stabilisation, et potentiellement après peut-être un autre mouvement baissier, parce que statistiquement c'est pareil, une figure comme ça chartiste, les probabilités sont pour qu'on sorte dans le sens dans lequel on est rentré dans cette figure, c'est-à-dire par le bas, donc potentiellement on devrait sortir par le bas. Si vous voulez, là c'est très clair en fait en daily, on a les mouvements, les stabilisations, et qu'est-ce qui fera qu'on va invalider toute cette dynamique là? Ça va être quand le prix tout simplement va vraiment rebondir et qu'on repassera tout simplement au-dessus de cette zone là. Et je vais vous expliquer pourquoi au-dessus de cette zone là, parce que tout simplement au niveau de la loi de Do, eh bien ça invalidera l'ancien plus bas, c'est-à-dire que normalement dans une loi de Do, on a un point haut de plus en plus bas, un point haut de plus en plus bas encore, etc., etc., parce qu'on est en tendance baissière. Et donc là, la seule façon d'invalider toute cette dynamique et de rebondir et de reprendre le pouvoir, si vous voulez, au niveau des acheteurs, ça va être de faire un point haut ici et de casser en clôture journalière, tout simplement, cette zone de prix environ à 30 000 $, 32 000 $. Si on clôture en daily à 30 000 $, 32 000 $, on saura que c'est vraiment un signal très puissant de retournement haussier, parce que là on peut même rebondir jusqu'à 25 000, jusqu'à 28 000, ça va être qu'un rebond technique et potentiellement après on poursuivra peut-être la baisse. Pour invalider totalement tout doute, toute panique, toute peur de poursuite baissière, eh bien il faut clôturer au-dessus des 30 000, 32 000 en clôture journalière minimum, et on invalidera tout simplement la tendance baissière, et graphiquement au niveau de l'analyse technique et du price action, ça enverra tout simplement le message que tout ça est terminé et qu'on peut passer à une autre phase certainement beaucoup plus haussière. Donc les amis, ce qu'on a vu là, c'est comment détecter la tendance, où est-ce qu'on la détecte, donc les unités de temps, surtout mensuelles, weekly, daily. Pareil pour les zones, elles sont importantes, il faut les tracer et les comprendre pour ne pas être perdu sur un graphique, et il faut s'en servir évidemment au bon moment. Maintenant qu'on sait comment tracer nos zones, qu'on a su comment détecter notre tendance également, eh bien ce qu'il nous faut pour entrer en position, ça va être une pattern et un signal. Donc la pattern, très simplement, c'est ça par exemple, donc c'est une figure chartiste, ok, c'est un losange, c'est un drapeau, c'est un fanion, c'est une stabilisation si vous voulez. Et pour les signaux, on peut en utiliser différents types évidemment. Alors pour l'exemple ici en temps réel, eh bien ça serait une belle bougie haussière impulsive qui aille casser tout simplement cette zone de prix au niveau des 22 005 environ, ce qui ferait sortir eh bien le marché de cette figure chartiste par le haut, et donc on aurait la pattern, on aurait le signal probablement de retournement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour vraiment beaucoup plus de sûreté, eh bien on attend une grosse cassure validée des 30 000 $ pour vraiment les traders long terme. Maintenant les traders, des traders et scalpers, évidemment que si on casse à la hausse, même si on casse à la baisse, eh bien il y aura des opportunités et il y a toujours des choses à faire en fonction du contexte du marché. Donc le signal, ça peut être un marubozu, ça peut être une super bougie impulsive volatile, ça peut être une englobante, une avalante. On va chercher un signal de retournement en tout cas. Je ne vais pas vous expliquer tous les signaux de retournement dans cette vidéo évidemment, sinon elle serait beaucoup trop longue. En tout cas, les signaux, c'est propre à vous. Vous devez trouver ceux avec lesquels vous êtes à l'aise, ceux que vous comprenez et ceux que vous trouvez tout simplement efficaces sur les marchés. Donc voilà, globalement les amis, vous l'aurez compris, au niveau technique, c'est pas super super sur le Bitcoin. Maintenant, vous le voyez, avec un peu plus de compréhension, on peut essayer de tirer des scénarios à venir, et déjà on a une super zone potentiellement qu'on peut aller travailler. On sait qu'on aura des signaux aussi à aller chercher dans cette zone, très intéressant. Donc on patiente. Pour moi, pour l'instant, il y a strictement rien à faire, ok, parce que même si on casse à la baisse, moi je vais rien faire, puisque comme je l'expliquais en début de vidéo, je ne fais pas de contre-tendance, ok. Même si pour moi là, évidemment, en court terme, moyen terme, on est très baissé en daily. Maintenant, en mensuel, on est encore haussier, et donc je maintiens ma règle de pas faire de contre-tendance. Donc je ne ferai rien personnellement jusqu'à qu'on casse soit cette figure ici à la hausse, ce qui m'étonnerait très sincèrement, ou alors j'attendrai la zone avec des bons signaux de retournement haussier. Voilà les amis, j'espère que ça a été quand même assez concis malgré que j'y suis allé vraiment en freestyle. J'espère qu'après le visionnage de cette vidéo, vous avez un point de vue plus objectif et plus clair, eh bien, sur le Bitcoin. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne YouTube Le Trader Smart. Ciao ciao.